Et de tir, nous nous journal de midi, car nous trouvons en direct à Fred. Fred, quelle est la situation pour le moment du costat de Saint-Robert? Eh bien, Fred, écoutez la nouvelle qu'a tu mat la population, et ainsi qu'à te pouvoir dire qu'il y a une tension quasi tout cadre à Saint-Robert. Qui sont actuellement devant l'ancienne auberge de ce village de Courrèze, où l'irréparable est produit. Et le premier sentit qui crudagne ainsi la population de Saint-Robert, c'est la consternation. Monsieur, il y a une réaction. Quelle consternation? Quelle consternation? Quand vous dites que la consternation. Qui sont véritablement. Paraules, Herr Hortes, qui entenem aquí. Fred, li heu d'autres reaccions? Et oh Fred, qui suis ici per la carrerette de Saint-Robert, la triste nouvelle qu'a deixat traces, et qu'a podem dire ici que le règne de la malicie. Et monsieur, li heu une reaction? Que je vergogne. Ne pouche pas se comprendre. Et qui te GPS? Ne bau pas à ré. Terrible. Images qui donnent les barges. Depuis quelques jours, la rumeur qui a couru, qui craignait le saut des sourdèches et dans cette charmante bourguette, mais tout le monde qui espérait les bitaux, Fred, qui le monde présent sur place et pouvait relever de ce drame affreux. Complicat à dire, Fred, tant le village ici est abandonné et truqué par ces quelques mots de rare violence. Saint-Robert, qui est un des villages les plus beaux de France et qui semble malaille inéluctable. Merci, Fred, et bon courage à tous les poblans de Saint-Robert. Chers transition, je sais que tu apprécies le breton et le Lucas Dogprod, qui est la consternation de cette petite entreprise du Biarn.